Bonjour et bienvenue à vous tous et toutes qui vous joignez à nous pour cette nouvelle série de présentations. L'Évangile nous présente des récits vraiment inoubliables, des scènes qui sont gravées à un point tel dans notre esprit qu'on peut presque les voir dès que le titre d'un tel texte ou d'un autre est à peine mentionné. On imagine facilement les apôtres dans leur barque aux prises avec une effroyable tempête. Zachée dans un arbre, qui pourrait l'oublier? Et Lazare, sortant du tombeau rendu à la vie par Jésus, lui aussi nous est si familier. Il y a d'autres figures qui apparaissent dans les textes de l'Évangile. Et même si les textes nous sont familiers, les personnes, elles, demeurent anonymes. Ce sont eux et elles que nous allons rencontrer dans cette nouvelle série de programmes intitulée justement « Les anonymes de l'Évangile ». Je devine un peu votre surprise et la question qui vous vient à l'esprit. Qui sont ces anonymes? Et une deuxième question suit peut-être de près la première. Ces gens à peine mentionnés ont-ils un message à nous apporter? Alors, joignez-vous à nous pour faire la connaissance de ces gens qui ont rencontré l'homme de Nazareth et dont la vie par la suite n'a jamais été la même. J'ai mentionné l'homme de Nazareth. Déjà dans une série de 16 vidéos publiées sous le titre de « J'ai rencontré », chaque programme nous présentait quelqu'un qui avait fait cette rencontre inoubliable avec celui qu'on désignait sous ce nom. Parmi eux et elles, on comptait déjà des anonymes. La femme avec une perte de sang, par exemple. Le centurion. Leurs histoires nous sont bien connues. Mais pas leur nom. La nouvelle série qui commence aujourd'hui nous mettra en présence d'autres personnes dont le nom reste à jamais inconnu, mais dont l'expérience de vie a un message pour nous. Un message pour notre vie d'aujourd'hui. Apparemment, si différente de la leur sous bien des aspects, mais semblable dans l'humanité que nous partageons. Les programmes apparaîtront sur le site www.imagination.com et chaque mercredi, nous allons vous offrir un nouveau message. Je n'ai nul doute que nous serons tous enrichis par ces rendez-vous hebdomadaires. Alors bienvenue et bon visionnement!